J'ai fait toute ma carrière dans le numérique, dans les technologies. J'ai fait des études scientifiques. Je me suis battue pendant 40 ans pour essayer à la fois donc de me faire une place dans ce milieu où j'ai eu quand même un certain succès. J'ai eu une carrière extrêmement passionnante et je pense que ça, c'est un message qu'il faut faire passer auprès des jeunes filles. Mais et j'ai toujours aussi essayé dans la mesure où j'avais des responsabilités d'avoir autour de moi des femmes, surtout que j'ai eu une carrière dans les achats et donc j'avais la parité. Mais je me rends compte maintenant que je suis en fin de carrière que malheureusement, alors que je pensais que les choses se feraient un peu seules, un peu toutes seules, qu'il suffisait qu'un certain nombre de femmes comme moi se battent pour faire leur place, pour que derrière, on fasse un peu le chemin aux plus jeunes. Ça s'est pas du tout passé de cette manière-là. Et que malheureusement, il y a moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs, moins de femmes en sciences, moins de femmes dans les études mathématiques. Et c'est une assez mauvaise chose. Bon, j'ai une action aussi au niveau local avec des lycées professionnels qui sont dans les filières numériques. Et c'est encore plus catastrophique à ce niveau-là, puisque quand je les visite, il n'y a aucune fille, zéro fille, dans ces sections. Donc c'est vraiment un travail de fond qui est à faire à tous les niveaux, parce qu'on va avoir besoin de talents à tous les niveaux de cette chaîne numérique. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir, pour essayer de corriger cet état de choses. On va vers un monde de l'intelligence artificielle. Il suffit plus, c'est au-delà du numérique. Il faut absolument que les femmes aussi investissent ces domaines. Alors, c'est une fondation donc qui rassemble à la fois des entreprises qui consentent donc à abonder ce fonds, également donc les pouvoirs publics, parce que au niveau de l'éducation, il va falloir être très actif. Mais aussi des associations. Et le but, c'est effectivement de financer à partir de ce fonds des actions qui vont être efficaces, parce que notre intention, c'est aussi de mesurer les effets. On s'engage sur des actions de long terme, parce qu'on sait que j'en suis la preuve, hein, puisque je vous dis, j'ai fait toute ma carrière et au bout de 40 ans, malheureusement, on n'a pas progressé dans ce domaine. Donc il faut absolument tenir dans la durée et s'assurer non seulement, bien sûr, que les jeunes filles qui sont maintenant en études scientifiques au niveau du lycée s'orientent vers le numérique, mais aussi changer les mentalités dès l'école et aussi agir vis-à-vis des familles et des parents, parce qu'il y a beaucoup de facteurs culturels aussi dans ces choix qui sont faits, et qui sont souvent des choix inconscients d'ailleurs, donc d'orienter plutôt les garçons vers le scientifique et les filles davantage plus sur du care, comme on dit, sur du social. Mais ce qu'il faut aussi que tout le monde comprenne, c'est que maintenant, on s'oriente vers une fusion de ces métiers. Et que pour avoir un numérique qui soit un numérique humain, on va absolument avoir besoin, et au travers de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important, donc de pouvoir y induire du comportemental, du social. Et donc, aujourd'hui, tous ces métiers ont besoin de travailler ensemble. On a besoin beaucoup de transversalité. Alors, il faut comprendre d'abord pourquoi elles ont peur de s'y lancer. Si c'est un problème de confiance en elles, je pense qu'il faut les aider, les coacher, qu'elles se rendent compte qu'elles ont autant de moyens que les garçons. Si c'est un problème d'attraction, qu'elles ont peut-être peur que ces sujets soient un peu rébarbatifs,
Bon, il faut aussi, je pense, et c'est en ça que l'éducation est importante, montrer le côté ludique, le côté créatif. Les filles sont très, très créatives et faire les liens et les ponts, comme j'expliquais, avec tout le domaine de la santé, le domaine aussi du social, de l'art éventuellement, parce qu'il faut aussi penser, je pense, très large.